Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir donc Luba Jorgensen, bonsoir Nicolas Vert, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, qui sont donc sur Zoom ou sur Facebook Live ou YouTube. Donc je m'appelle François Dewaere, je suis ravi de vous accueillir au nom des éditions des SIRT pour parler ce soir avec nos deux invités de l'œuvre de Guéorgui Demidov et notamment du premier volume de ses récits du Goulag qui vient de paraître aux éditions des SIRT, qui s'appelle donc Doubar et autres récits du Goulag. Voilà, on ne voit pas très bien, mais. Donc, ils font partie d'un projet éditorial qui est un peu plus large. Et dont on aura l'occasion de parler par la suite. Nous aurons aussi le plaisir de voir et d'entendre la fille de l'auteur, Valentina Demidova, qui vit à Philadelphie et qui n'est pas en direct pour des raisons de décalage horaire et des raisons techniques, mais qui a répondu à un certain nombre de mes questions par avance et que nous aurons le plaisir d'entendre. Donc, je vous présente nos deux invités. Donc, tout d'abord, Luba Jorgensen, traductrice du russe, professeure à la Sorbonne, spécialiste de la littérature des camps, et en particulier de la littérature des camps soviétiques et du Goulag, qui est, entre autres, la traductrice de Chalamov, mais qui a aussi traduit des œuvres majeures de la littérature russe. Du XXe siècle et pas seulement d'ailleurs, comme Vassili Grossman ou Oblomov, voilà, magnifique traduction d'Oblomov. Et ensuite, nous avons aussi avec nous Nicolas Vert, donc, qui est historien, spécialiste de renommée mondiale de la Grande Terreur et de l'histoire de l'URSS, notamment sur la période stalinienne, auteur de nombreux livres, dont des histoires de l'Union soviétique qui sert de base à l'enseignement de toutes ces questions depuis de très nombreuses années dans l'université, qui a travaillé dans les archives et découvert énormément de documents concernant cette période, qui par ailleurs est un des auteurs de la série documentaire qui s'intitule Le Goulag, une histoire soviétique, qui a été récemment diffusée. Sur Arte et que je vous invite à découvrir si ce n'est fait, si vous vous intéressez à ces thématiques, et qui par ailleurs est aussi traducteur. Et si nos deux invités sont présents ce soir, c'est d'une part pour leur expertise et d'autre part parce que donc le premier volume de récits de Guéorgui Demidov que nous présentons ce soir est en fait une réédition d'un volume qui était paru dans les années 90, on en reparlera. Mais les éditions des SIRT ont prévu de publier la suite de ces récits en deux volumes qui seront donc, qui sont prévus, si tout va bien, en 2022 et 2023, et qui seront justement traduits par notre duo d'invités de ce soir, donc Luba Jorgensen et Nicolas Vert. Alors, je vais juste faire une toute petite introduction historique pour replacer un peu voilà, le destin de l'auteur. Pour commencer. Guéorgui Demidov est né en 1908 à Saint-Pétersbourg et il est décédé en 1987 à l'âge de 78 ans à Kalouga. Il est physicien d'origine. C'est un inventeur, en fait, un physicien non pas théorique mais pratique qui a son nombre, à son actif. De très nombreuses inventions et qui a été élève à Kharkov de Lev Landau, le futur prix Nobel à l'époque de physique, et qui donc où il était donc dans son laboratoire dans les années 30. Donc il est arrêté en 1937 et il est envoyé en septembre 38 à la Colima. Condamné pour 5 ans au titre de l'article 58 du code pénal soviétique.
À la Colima, il est affecté à les travaux, parmi les travaux les plus durs, dans les mines d'or notamment. Et ensuite, il participe à un atelier qui est chargé de régler tout un nombre de problèmes techniques du camp. Et il invente un moyen qui lui permet de recycler les lampes usagées, ce qui est assez important dans l'économie du camp, et donc qui lui permet d'être moins affecté à des travaux durs et donc de survivre une première fois en utilisant ses capacités d'ingénieur. En guise de récompense pour ce travail, alors dans un épisode dont on parlera peut-être plus tard, qui est vérité ou légende, on verra, mais il est condamné à une peine supplémentaire. Et c'est finalement dans les années 50 où il sera libéré, puis réhabilité après deux tentatives. Et il s'installera d'abord dans la République des Komis, Oukhta, et ensuite plus proche de Moscou, à Kalouga, où il continue à travailler comme ingénieur. Donc, ça, c'était juste pour un petit rappel historique. Ma première question, en fait, s'adresse à Nicolas Werth. Alors, j'ai fait un résumé très succinct du parcours de Guéorgui Demidov. Vous le connaissez plus en détail. En quoi le parcours de Demidov est représentatif des victimes de la répression, de la Grande Terreur? En quoi est-il peut-être exceptionnel? Est-ce que vous pouvez replacer la vie de Guéorgui Demidov dans le contexte de l'époque et nous expliquer plus en détail sa vie? Bon, alors évidemment, merci donc pour cette question et cette invitation. Évidemment, Guéorgui Demidov a été arrêté justement au moment le plus dramatique. Au fond, une sorte de paroxysme de la violence stalinienne qui a été la Grande Terreur. Je rappelle que en 37-38, c'est plus d'1 million de personnes qui sont arrêtées et condamnées au titre de l'article 58 du Code pénal à 10 ans, 8 ou 10 ans de camp. Et à côté de ça, il y a encore 750 000 personnes qui, pendant ces 16 mois de la Grande Terreur, entre août 37 et novembre 38, sont tout simplement exécutées dans le plus grand secret. Alors, de ce point de vue, son destin est assez typique, si on peut dire, puisque la répression frappe évidemment toutes sortes de catégories. Et notamment, mais pas uniquement, bien sûr, notamment une partie de l'intelligentsia. Il a à l'époque 30 ans, c'est un mauvais âge pour cette période, puisque bon, il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés. Enfin, là aussi, on peut discuter de la représentativité, au fond, de l'âge des arrestations. Il y a à la fois des personnes âgées, il y a des jeunes d'âge moyen. Bon, il est arrêté pour des raisons évidemment totalement fantaisistes. Et il avait devant lui une très belle carrière, hein, puisqu'il est arrêté à l'Institut ukrainien de physique technique, vous l'avez dit, il était déjà un élève brillant de Lev Landau. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est évidemment son long passage en camp. Donc condamné en 38 après donc une arrestation. Le moment entre l'arrestation et la condamnation, c'est là aussi assez classique, quelques mois, donc rapidement condamné. 8 ans de camp, donc normalement il doit finir sa peine en 46. Il est envoyé là encore comme des centaines de, enfin des dizaines de milliers, même centaines de milliers en 37-38
à la Colima, envoyé donc aux travaux généraux. Et là, son parcours est un parcours assez typique au fond et aussi de ses parcours goulagiens, c'est-à-dire une alternance entre des périodes extraordinairement dures de travaux généraux où on en arrive assez rapidement à l'état de crevard et puis toutes sortes de planques, si on peut dire, de coups du destin. Et il se retrouve donc donc dans des conditions moins dures grâce à ses compétences techniques réparer et de trouver un moyen pour réparer des ampoules. Ensuite, il fait toutes sortes de séjours, enfin cette alternance de séjours extrêmement durs, ces travaux très durs et de planques. Et parmi ces planques, il va se retrouver à l'hôpital central de Diebin, où il va rencontrer Shawamov. Shawamov aussi était à ce moment-là, lui, en tant que feldsher, c'est-à-dire en tant qu'assistant médecin. Et dans cet hôpital, Demidov va mettre au point une sorte d'appareil à rayon X, un peu artisanal, mais qui va servir. Donc, ça montre aussi cette extraordinaire capacité, enfin, justement, de physique à la fois théorique et pratique. Et c'était très utile, évidemment, d'être pas seulement un théoricien, mais un praticien hein, au goulag. Voilà, et là encore, les médecins, du coup, vont le garder. Donc, il va pouvoir reprendre des forces, se reposer. Enfin, de ce point de vue, c'est quand même très un parcours qui ressemble fort aussi à celui de Shawarma, mais à celui d'autres personnes. Il suffit de lire Ginsburg. On voit aussi ces moments où on peut souffler et reprendre des forces, que ce soit Ginsburg lorsqu'elle est dans cette maison des nourrissons au camp de Jelgen. Voilà, et donc, un petit souvenir personnel, lorsque je suis allé il y a une dizaine d'années faire mon petit tour à la Colima, j'ai dormi plusieurs nuits à l'hôpital de Diebin, qui était resté dans son jus à l'état. Et c'est vrai qu'à l'époque, autant il y avait un petit stand d'exposition consacré à Shawarmov, mais il n'y avait rien sur Demidov. Et moi-même, je ne l'ai su que tout à fait récemment qu'il avait passé pas mal de temps à l'hôpital de central du goulag de la Colima à Diebin. Ensuite, aussi très caractéristique, en 1946, on lui recolle une deuxième peine de 10 ans. Donc ça aussi, ça fait partie au fond de ces multiples condamnations que l'on n'avait en plus au goulag même, donc si vous voulez, un tribunal des organes qui, au goulag même, vous recondamne à une nouvelle peine en 1946, ce qui est aussi très typique et très fréquent, puisqu'on ne lâchait pas les contre-révolutionnaires, ceux qui avaient été condamnés à l'article 58. Voilà, et donc ensuite, il a ce parcours jusqu'en 56. Il y a ce qui est intéressant, c'est qu'en 51, par exemple, il est emmené à un moment à Moscou, envoyé à Moscou, à la 4e section spéciale ministère de l'Intérieur, en tant que physicien, pour un projet donc de participation à des expériences physiques et notamment, pour moi c'est pas encore tout à fait clair est-ce que c'était vraiment le grand projet atomique ou pas, mais en tout cas ensuite visiblement il n'a pas fait affaire et il est réexpédié, mais cette fois un peu moins loin, à Inta. Donc il connaît au fond, il fait toute une géographie du goulag et c'est d'ailleurs là à Inta qu'il va d'ailleurs, à côté, à Urta, qui va s'installer
après sa réhabilitation. Et là encore, il y a un long parcours, puisqu'une fois qu'on est sorti, enfin pas la réhabilitation, pardon, après sa libération, on est assigné à résidence pendant un certain temps à côté du camp où on a été enfermé. Donc, et là encore, il y a un long parcours assez typique au fond aussi de l'époque qui le conduit par étapes à la réhabilitation. Ensuite, il va pouvoir se rapprocher de Moscou, il s'installe à Kaouga, et ensuite il se met à écrire. Là aussi, il se met à écrire dans les années 60, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que Chalam, au milieu en 65, je pense, le retrouve, parce que évidemment il l'avait perdu de vue. Et là aussi, on ne sait pas, au fond, lorsqu'une personne part au goulag, au fond, quel est son sort ultérieur. Et donc, ensuite, là aussi, son manuscrit est confisqué en 1980. Il y a une perquisition à son domicile, à Kaouga et à Kharkov, chez sa fille. Et ensuite, ces manuscrits sont en fait seulement rendus à sa fille en 88, donc après sa mort, un an après sa mort. Donc, on a un parcours, je veux dire, emblématique, on peut dire, à la fois du l'avant, le pendant, le goulag, et l'après-goulag pour ceux qui s'en sortent et qui vont écrire, tenter de témoigner, avec toutes sortes de difficultés, puisqu'évidemment, ils ne savent jamais quand leurs manuscrits et si leurs manuscrits seront un jour publiés. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, je pense qu'on va revenir juste sur justement cet aspect d'écriture et sur l'histoire aussi de ces manuscrits qui, comme souvent pour ces auteurs, est passionnante en soi-même. Je voudrais, avant de poser une question à Luba Jorgensen sur l'œuvre en elle-même, vous montrer un petit extrait vidéo de Valentin Ademid, qui avait 5 mois quand son père a été arrêté, et qui parle justement de son enfance, de ses souvenirs d'enfance et de ce qu'on a pu en raconter après. Alors, je vous préviens tout de suite. Malgré toute la technologie moderne, le lien était plus compliqué qu'il n'aurait pu l'être, et donc la qualité de l'image n'est pas celle qui aurait pu être souhaitée. En revanche, vous allez pouvoir entendre sa voix et puis la traduction que j'en ai fait de ce court extrait qui dure quelques minutes. Il y a parfois des petits problèmes de vidéo sur Zoom, donc on espère que tout va fonctionner comme il faut. Et on se retrouve juste après ce petit extrait. J'ai vécu sans père. J'avais 3 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Et ma mère et moi avons été évacués de Kharkov. Les Allemands, déjà en août, fin août, début septembre, sont entrés à Kharkov très rapidement. Et ma mère et moi sommes partis en évacuation avec l'institut où elle travaillait. Elle était ingénieure chimiste. L'institut a été évacué avec tout le matériel. Et nous sommes partis avec maman. À Kharkov, ne sont restés que ma grand-mère, qui ne sortait du lit qu'avec difficulté, la mère de ma mère, Marfa Andreevna Demidova. Yegor Yegorovitch Demidov est resté avec elle, c'est le père de papa, et sa sœur aussi. Sa sœur, au sujet de laquelle il a beaucoup écrit dans ses livres.
Elle est restée avec ses parents. En principe, son mari était censé venir la chercher. Il a emporté le matériel des usines où il était ingénieur, ingénieur en chef adjoint. Il était censé venir la chercher, mais malheureusement, il n'est pas venu. Papa était déjà arrêté, et ses deux frères, Alexandre et Kolia, se sont portés volontaires pour le front. Alexandre a disparu sans laisser de traces, comme on dit, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où et comment il est mort. Quant à Kolia, on a reçu son faire-part de décès. Je ne connais aucun autre Demidov. J'ai grandi avec ma mère, mais ce n'était pas étrange à l'époque, savez-vous. Presque personne n'avait de père. Les répressions staliniennes ont détruit la plupart des pères, puis la guerre a pris les hommes qui restaient. Et quand je suis allé à l'école en première année, notre classe était surpeuplée avec jusqu'à 40 personnes ou 38. Il y avait seulement deux élèves de la classe de filles qui avaient un père. Ce n'était pas étrange pour moi, c'était normal. Une maman, on en a besoin, mais un papa, c'est quelque chose d'étrange. Puis, j'ai peu à peu grandi et déjà en quatrième et troisième année, j'ai compris. J'avais vu ma mère emballer un colis pour l'envoyer quelque part. Et puis finalement, j'ai découvert qu'elle écrivait à papa quelque part. Bien que l'on croyait officiellement que, dans les questionnaires qu'on remplissait à l'école, on avait alors des formulaires obligatoires, et j'écrivais que papa était mort au front. Et je pense que tous les enfants de victimes de la répression en faisaient de même. J'ai appris véritablement que j'avais un père quand j'avais déjà fini presque l'école. Maman a été convoquée parce qu'à l'époque était instruit le dossier de réhabilitation de mon père en 1956, le premier dossier de réhabilitation de papa. Le parquet de Kharkov, qui l'avait mis en prison, examinait les dossiers de réhabilitation et ma mère a été convoquée. C'est là qu'elle a appris quelle était son adresse pour la première fois. Elle ne la connaissait pas. Elle a appris qu'il était déjà installé à l'époque dans la République des commis. Quand j'étais en quatrième ou cinquième année d'école, je ne comprenais pas vraiment que quelque part il y avait mon père. Mais avec une sorte de sixième sens, je le savais. Et je lui écrivais des lettres. J'étais en troisième classe. Je m'asseyais dans un coin et je lui écrivais des lettres. Et ma mère a gardé ces lettres. Et quand il est déjà réapparu, malheureusement, ils n'ont pas rétabli leur relation. Ils sont restés de grands amis toute leur vie. Ils se sont beaucoup écrits. Papa est venu aux funérailles de maman. Et alors, quand il a réapparu, il est venu chez nous. Mais surtout, je suis allé le voir à Ourta. Nous nous voyons là-bas à Ourta et quand il passait parfois par Moscou. On se voyait aussi à Moscou. Auparavant, maman ne m'a rien dit. Elle avait peur, et je la comprends. Elle avait peur que je dise quelque chose. Vous savez, quand vous parlez à un enfant, ne dis ça à personne. Jeune, j'étais assez active. J'étais pionnière, membre du Komsomol. À l'école, j'étais active. Je n'étais pas vraiment parfaite à ce niveau-là. Jamais je n'étais engagée en avant pour la cause de Lénine et de Staline. C'était quelque chose qui me passait un peu à côté. Mais j'étais active néanmoins. J'ai été président du conseil d'école, par exemple. Bref, j'étais une fille très active. Et ce n'est pas que je ne savais rien de tout ça. Je ne pouvais même pas en soupçonner l'existence. C'est plus tard que j'ai posé des questions à maman. Et elle m'a répondu, « Va aller, va aller.
Tout ce que je peux te dire, c'est que pendant 2 ans, je n'ai pas pu trouver de travail. J'ai erré avec toi, âgé de 5 mois, me faisant émerger par des amis et des connaissances pour que je ne sois pas arrêté. Parce que d'abord, elle a également été emprisonnée avec moi pendant 2 semaines. Peut-être qu'elle le pensait vraiment, ou qu'elle est tombée sur un enquêteur qui était plus ou moins compatissant. Vous savez, c'était aussi des êtres humains, avec les qualités inhérentes à tous les êtres humains. Elle m'a dit que j'ai crié dans toute la prison comme si on m'égorgeait. La cellule était surpeuplée. Pour 12 places, il y avait 50 femmes qui s'asseyaient et restaient debout à tour de rôle. Et elle était avec un bébé à son sein. Elle disait qu'avec mon sale caractère de Demidov, je nous avais sauvés, moi et elle-même. Vous savez, papa était assez solide, son caractère était très puissant. Et elle a été libérée avec des documents qui lui permettaient de finir de me nourrir pendant 1 an pour ensuite aller au camp, comme toutes les familles d'ennemis du peuple. Et alors, elle a disparu avec moi. Elle s'est évaporée, elle n'a pas cherché de travail. Elle n'est pas retournée dans l'ancien appartement. Elle s'est volatilisée. Logée chez les uns pendant 1 mois, chez d'autres pendant 2 semaines, comme ça pendant 2 ans. Et puis, la guerre est arrivée. En 40, elle est finalement retournée travailler à l'Institut, juste avant la guerre, où elle avait là aussi des amis. Elle est retournée à l'Institut où elle travaillait avant, à l'Institut de recherche, comme ingénieure chimiste de formation. Et ensuite, elle a été évacuée avec tout l'Institut. Quand la guerre a éclaté, personne n'avait plus que faire de nous. J'ai appris cela quand je suis revenu de la première visite chez mon père. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à poser des questions à ma mère. Nous voilà de retour avec un petit péripétie technique. Comment les rencontres Zoom pourraient-elles avoir lieu sans ça? Ben, je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous veut réagir à cet extrait vidéo avant peut-être que je pose une question, si vous le souhaitez. Écoutez, moi je trouve ça tout à fait extraordinaire, enfin très émouvant d'abord. Et puis, ça en dit tellement long sur, enfin, chaque phrase est intéressante. Au fond, on voit l'envers, si on peut dire, du goulag, c'est-à-dire, au fond, le sort de ceux qui restent. Le sort de ceux qui restent, les femmes, donc les enfants, le terrible secret, bien sûr, de toute cette affaire. Enfin, à la fois secret et d'un autre côté... omniprésence, c'est-à-dire que, comme elle dit, il n'y avait pas de père, ces mères qui restaient. Bon, certes, les mères pouvaient être aussi condamnées, puisque normalement, une femme d'un ennemi du peuple était elle-même condamnée à une peine de 5 à 8 ans de camp. Évidemment, l'épisode de l'enfant hurlant et fait qu'on la libère, ce qui montre aussi toute la part du hasard qui jouait un rôle si important aussi. Donc, il y a dans ce témoignage, enfin, de ces quelques minutes pour l'historien, et pas seulement, je pense, pour toute personne qui s'intéresse, un nombre absolument incalculable de choses passionnantes. Il montre aussi que bon, les archives, c'est les archives, mais les témoignages ont un rôle absolument irremplaçable pour comprendre au fond la face cachée à la fois des écrits et aussi des archives. Merci Nicolas, ça fait aussi écho à des lectures d'ailleurs, parce que bon, je suis par exemple
dans certains récits, chez Ribakov par exemple, on voit beaucoup justement cette vie de ceux qui voient disparaître les uns après les autres. Bon, alors c'est un récit qui a ses particularités, mais bon, cette façon aussi de fuir et de s'enfuir, de quitter les lieux habituels où on vit pour échapper à la machine de la répression, ça fonctionne rarement, mais bon. Louba, donc je ne sais pas si tu souhaites parler de cet extrait, mais... Je me suis dit qu'on a beau connaître cette histoire pour l'avoir lue, mais c'est quand même autre chose d'entendre Valentina Demidov, c'est extraordinairement émouvant. Bon, je suis Nicolas dans ce qu'il a dit, et effectivement, cette part de hasard, d'impondérable, le fait que, par exemple, c'est très intéressant, le fait que sa mère aurait dû être de nouveau arrêtée, mais le fait de changer de domicile, de s'enfuir, en fait, c'était une stratégie qui marchait bien, en fait. Donc elle a eu une très bonne idée, là. Tandis que, par exemple, ça veut dire qu'elle connaissait déjà bien le fonctionnement du système et qu'elle avait bien compris ce qu'il attendait si elle restait chez elle. Alors que, par exemple, Evgenia Ginzburg, lorsque l'étau commence à se resserrer autour d'elle, donc Evgenia Ginzburg qu'on a déjà cité aujourd'hui, que Nicolas a cité, mais qui refuse absolument de comprendre que les répressions peuvent frapper même des communistes fidèles, c'est une c'est sa belle-mère, une femme du peuple qui lui dit mais fuis, va à la campagne dans ma famille, on te cache. Cache-toi. Et cette femme qui a tout compris, ça montre aussi comment les intellectuels ont pu parfois être aveugles par rapport au système dans lequel ils voulaient continuer à croire. La mère de Valentina a eu le bon réflexe. Alors effectivement, intellectuel, je pense, Demidov en fait partie, puisqu'en tant que physicien, même si c'est quelqu'un qui a une formation intellectuelle de premier plan, qui est jeune certes, et j'aurais voulu donc poser une question concernant justement son œuvre, puisque dès qu'il sort du goulag, son idée fixe, si j'ose dire, et son activité principale, c'est d'écrire. Ce qui n'est pas non plus d'ailleurs qui ne va pas de soi forcément pour un physicien. Et est-ce que justement, Luba, tu pourrais nous parler un peu de cette œuvre et de la façon dont il écrit? Est-ce qu'il écrit, est-ce qu'on sent le physicien dans une sorte de regard scientifique sur la réalité dont il a été témoin? Ou qu'est-ce que tu peux nous parler de son œuvre et peut-être la replacer aussi dans le corpus, nous parler rapidement de ses aspects un peu particuliers et peut-être de ce qu'il y a de commun, justement, mais avec le corpus littéraire des témoins du Goulag? Alors, moi, je n'ai pas senti le physicien et je pense que vraiment, l'écriture, c'est une nouvelle vie pour lui et c'est sa troisième vie, en quelque sorte, parce que ses débuts brillants le destinaient plutôt effectivement à une carrière de physicien théorique. Et lorsqu'il se retrouve en Caen, il comprend très très bien qu'un physicien de haut niveau coupé de la communauté scientifique ne peut pas se maintenir plus de quelques mois que sa carrière est finie. Et c'est là que son talent va prendre une nouvelle voie qui est celle justement de l'invention. Lorsqu'il sort du camp, c'est encore une autre facette de sa personnalité qui va s'épanouir dans l'écriture. Mais je pense que là, je ne peux pas savoir comment effectivement il pensait lui cette double
Voilà, c'est deux versants de sa personnalité, mais en tout cas, dans l'écriture, moi j'ai l'impression qu'il prend plutôt le contre-pied un peu du physicien, c'est-à-dire qu'il laisse parler ses émotions, les sentiments, c'est précisément ce qui le distingue de Chalamov. Voilà, si on peut déjà, enfin, c'est évidemment, la comparaison entre les deux s'impose un petit peu du fait que ce sont deux colémiens et qui se sont rencontrés, qui avaient une très grande estime l'un pour l'autre, surtout Chalamov admirait énormément Demidov. Mais par rapport au reste du corpus, bon, c'est chaque témoin, chaque écrivain a sa propre personnalité, mais ce qu'on peut dire, c'est que il y a cette urgence à témoigner, en fait, c'est peut-être ça qui cimente le corpus, enfin un certain corpus, parce que certains prennent la plume immédiatement après leur libération, voire avant, hein, comme Chalamov ou Solzhenitsyn, et d'autres vont attendre des années. Enfin, il y a eu des témoignages de l'après-Perestroïka, par exemple. Bon, les Sirtes ont publié les souvenirs de Tchirkov, par exemple. D'autres, il y a eu même des témoignages encore dans les années 2000, avec donc une distance de 30, 40, 50 ans par rapport aux événements. Et bien entendu, ce n'est pas la même écriture, ne serait-ce que parce que ces témoins tardifs connaissent déjà des récits qui sont parus avant. Et ça, je crois qu'il faut, enfin, c'est très important de voir que les textes circulent en manuscrit dès le début, dès les années 50. Les grandes villes sont inondées de textes qui circulent en samizdat, et ces textes pénètrent aussi en province, et inversement, comme Demidov qui reste d'abord dans le nord et dont les textes vont circuler à Moscou, par exemple. Donc, ils se lisent les uns les autres. Et ça nourrit aussi, ça nourrit leur écriture, ça tend à cristalliser aussi certains sujets ou certains motifs. Donc, il y a des dialogues qui se tissent à travers l'écriture, et c'est particulièrement clair entre Demidov et Chalamov. Alors, mais on peut peut-être diviser ce premier, voilà, ce corpus énorme, énorme, par exemple sur la base de données du Centre Sakharov, qui est consacré aux biographies des détenus du Goulag et à leurs œuvres. C'est des milliers de textes dont on ne connaît qu'une strate, bon, peut-être la dans laquelle il y a peut-être les textes les plus intéressants, mais en fait c'est un corpus qu'il est difficile de maîtriser, hein. Moi je ne peux pas dire que j'ai tout lu, mais dans ce corpus, disons qu'on peut le classifier selon le genre des textes, c'est-à-dire il y a des biographies, enfin il y a des textes qui racontent la détention du début à la fin, comme celui de Yevgenia Ginsburg, par exemple, le tournant et le ciel de la Colima. Et puis il y a des textes qui vont chercher d'autres temporalités, hein, d'autres façons d'aborder ce temps de la détention. Alors on a une journée d'Ivan Denisovitch, par exemple, qui se concentre sur une journée. On a voilà, les récits de Chalamov qui sont des micro-événements qui jalonnent la détention. Et alors Demidov, donc ce sont déjà, voilà, c'est pas une autobiographie, hein, c'est pas un récit qui raconte voilà, j'ai été arrêté, je suis arrivé à la Colima. Ce sont des récits, donc cette expérience déjà elle est découpée en séquences, hein, mais ce sont des séquences assez longues, enfin beaucoup plus longues que ce que les récits de Chalamov, et qui chacune a son sujet. C'est-à-dire, on a chaque fois en fait une nouvelle avec un dénouement, et pas simplement un flash sur un temps
ordinaire du camp. En fait, Demidov a tendance à choisir pour ses récits une histoire avec un dénouement très fort. Donc, ce sont des moments d'acmé hein, qu'il montre, des moments forts. Et en fait, l'une des grandes questions qui se posent devant le témoin, c'est comment raconter cette vie extrêmement répétitive du camp. Ce qu'on a peut-être du mal à comprendre, c'est que c'est à la fois une routine, souvent, mais une routine extrêmement violente. Et donc des temps longs et monotones où survient tout d'un coup un événement un événement extrêmement violent auquel peut-être on ne va pas survivre et que chaque journée est ponctuée de ces moments-là. Donc il y a le travail est extrêmement répétitif et à côté de ça il y a ces culminations de violence et donc chacun se débrouille à sa façon avec cette temporalité très très particulière qui sont propres au camp et qu'il s'agit de transmettre, enfin de faire comprendre hein, au lecteur. Donc Demidov choisit ces moments très forts, très forts. Et au fond, il guette dans cette routine du camp des événements extraordinaires qui souvent sont suivis de la mort hein, du protagoniste. Des événements qui sont des sorties symboliques hors du camp. Et pour... alors qu'avec Chalamov, on reste la plupart du temps vraiment dans le camp. Et ces sorties du camp, enfin, ces sorties symboliques, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a un personnage qui devient fou et qui va... qui va se faire abattre par l'escorte parce qu'il au mépris du mirador, il va s'en aller. Donc c'est une sorte d'apothéose. Et Demidov passe souvent pour raconter ces moments-là. Il fait appel à des histoires qui ont un rapport avec l'art dans le camp. Il y a beaucoup d'histoires où il est question de soit de chant, soit de chant d'opéra, soit de dessin, et avec des personnages qui, à travers l'art, cherchent précisément cette sortie symbolique. Ouais, c'est vachement intéressant. Du coup, pour rebondir sur l'histoire du samizdat, on voit dans les récits, en fait, qui concernent les manuscrits de Demidov, puisqu'en fait, Demidov... a circulé en samizdat, mais de façon assez, assez restreinte. Et surtout, ces manuscrits ont été confisqués de façon très efficace, puisque Nicolas en parlait, mais en fait, c'est 5 copies, puisque bon, les machines à écrire prenaient 5 copies. C'est-à-dire, on a des poèmes et des chansons sur cet ustensile indispensable du samizdat qui permettait, avec des carbones, en fait, des copies carbone, de faire 5 exemplaires lisibles. Donc, c'était un peu la mesure du tirage des samizdat. Il se trouve que les 5 exemplaires, gros volume, d'après sa fille, qui l'avait fait avec ses œuvres, ont été tous confisqués chez les 5 personnes qui en étaient dépositaires, dont notamment une dont le nom a été prononcé une fois en public et qui n'était quelqu'un de confiance, mais de très éloigné. Et que donc, pendant les dernières années de sa vie, Demidov n'avait plus ses œuvres. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le deuxième extrait vidéo de la fille de Demidov qui parle de sa rencontre. Et ensuite, on poursuit la discussion. Et puis, on a déjà un certain nombre de questions qui se posent. Donc, on pourra aussi continuer à parler de Demidov et de son œuvre en répondant... à ces questions. Alors, je vais juste appuyer sur le bouton. Excusez-moi.
La première rencontre, elle était très étrange. Elle se concentrait principalement sur maman. D'une manière ou d'une autre, elle est allée le chercher à la gare et elle avait déjà acheté des bons pour un séjour dans une pension à Sotchi. Et il est venu et le jour d'après, on est parti à Sotchi à Troyes. Papa n'avait jamais pris de vacances. Il écrivait. À cette époque-là, il prenait jamais de repos, il écrivait jour et nuit. Il est donc parti avec nous à Sotchi, le troisième jour, il s'est enfui. Il a dit, je ne peux pas supporter ça, et il est parti. J'avais 19 ans. Vous savez, à 19 ans, les enfants sont tous cruels et occupés avec leurs problèmes, leurs propres affaires. Les garçons. Moi-même, j'étais occupé. J'avais un petit ami, mon futur mari, qui était aussi avec nous. J'étais occupé avec mes propres distractions. Pour la première fois, quand je l'ai vraiment rencontré, c'est quand, l'année suivante, je suis allé voir mon père à Ourta, en avion. Alors, il m'a vraiment parlé et il m'a raconté. C'était en hiver et nous allions skier dans la taïga. Il adorait partir en ski après le travail ou le week-end. Moi-même, je me débrouillais pas mal aussi. Et nous partions dans la taïga. Il y avait une chienne Laïka blanche, magnifique, qui courait avec nous. J'ai des photos, je vais vous les envoyer. Des photos où, après une promenade, nous sommes dans la cour de la maison où il habitait. Quand nous étions avec lui dans la taïga, quand nous étions ensemble, il a commencé à me parler. Comment vous expliquer ? Il a commencé à parler non de la façon dont ils arrêtaient les gens à cette époque, mais il m'a parlé des camps, de ce que c'était le goulag, comment c'était là-bas. Quelques années plus tard, quand il a commencé à écrire, et que moi j'ai commencé à lire ses histoires, j'ai réalisé qu'il testait sur moi, en quelque sorte, tout ce qu'il avait préparé dans sa tête. Mais tout ça était vrai. Toutes ces histoires étaient réelles. Ils sont juste racontés sous une forme littéraire. Il a commencé à me raconter tout cela. Et je me souviens que j'étais venu pour 2 semaines. Et pendant toutes ces 2 semaines, il m'a raconté. Vous savez, quand je suis retourné à Kharkov, j'étais dans un tel état d'esprit. Comment pourrais-je vous dire? J'étais en état de choc. Pour moi, c'était comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Ensuite, quand je suis rentré, j'étais dans cet état de choc, je marchais dans les rues et je regardais toutes les personnes que je croisais, surtout si c'était des gens de l'âge de mes parents ou un peu plus âgés, c'est-à-dire des gens qui vivaient alors, qui avaient traversé cette époque. Moi, j'avais 3 ans à cette époque, mais eux, ils avaient 20, 30, 40 ans, peu importe. Je marchais et je pensais, comment viviez-vous? Et comment vivez-vous maintenant? Comment arrivez-vous? Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Voilà, nous voilà de retour.
Donc, en fait, j'ai passé beaucoup de temps avec Valentina, qui est très attachante et qui a énormément de choses à dire, qui a été aussi l'artisan de la découverte de la publication de l'œuvre de son père, puisque par un heureux, je dirais, hasard de circonstances, elle a pu envoyer une lettre à Yakov Lev, qui était à l'époque membre du comité central du parti dans les tout derniers temps de l'URSS, qui a fait en sorte qu'on lui restitue les documents, ou une partie du moins, des documents qui avaient été confisqués à son père. Et donc, c'est peut-être une raison pour laquelle Demidov est moins connu que d'autres écrivains, c'est qu'il a été publié un peu tardivement, tout début des années 90. On a le récit Doubar, donc, qui est le récit éponyme du volume que les Sirtes ont publié il y a quelques jours, qui est paru dans la revue Aganioc, qui à l'époque, un grand tirage. Traité de toutes les thématiques brûlantes à l'époque de l'histoire de l'Union soviétique et de la politique et de la vie en Union soviétique en général. Et donc, je pense que dans un avenir proche, on réalisera un podcast parce que les images sont vraiment pas bonnes, donc c'est pas très intéressant, mais en revanche, de son récit, qui touche beaucoup d'autres aspects de sa vie à elle et de sa relation avec son père et sa relation avec son œuvre. Voilà, donc si comme moi vous êtes sur votre faim, j'espère que vous pourrez vous rassasier d'entendre Valentina dans un autre format. Alors, le temps passe. Je vous propose en fait, de prendre quelques questions qui sont arrivées, en fait, qui correspondent un peu à ce dont on avait souhaité parler. Donc, ça va nous permettre de... Alors, la question une question qu'on peut poser, je pense, en premier lieu à Nicolas, et qui rebondit un peu sur l'extrait qu'on vient d'entendre. Comment, en fait, les enfants des anciens zecs apprennent-ils ce passé dont on en a parlé un peu? Est-ce que ce sujet est toujours tabou? Et comment on peut expliquer que la mémoire du goulag soit si peu préservée de manière officielle, voire parfois qu'elle est intimidée par le pouvoir politique, encore maintenant, en fait, après toutes ces années? Oui, c'est un ensemble très riche et complexe de questions. Écoutez, donc évidemment, j'étais très touché, frappé par ce témoignage, parce qu'au fond, c'est toute la question, encore une fois, du secret, de la transmission. Il ne faut jamais oublier cette dimension absolument centrale, enfin, à la fois du secret et de quelque chose qui est partagé, très largement partagé, ce qui peut sembler contradictoire, hein, parce que voilà un secret qui est partagé par beaucoup de gens, chacun dans son coin, chacun à sa manière. Et au fond, on le sait et on n'en parle pas. C'est présent et c'est absent. Et donc, cette présence-absence du goulag, ce double aspect est quelque chose qui a frappé beaucoup de personnes. Je pense à ce que racontait dans un magnifique interview à Arseniy Raginski, président de Mémorial récemment disparu, comment à la fois, quand il vivait dans un petit bourg dans le nord de la Russie, au fond, les détenus, il les voyait tous les jours passer en colonne quand il allait à l'école, et en même temps, à l'école, naturellement, on ne parlait pas de ça. Voilà, donc quelque chose qui est quand même très spécifique. Alors, en ce qui concerne... Bon, ce que les enfants de Zec disaient, enfin, ou en tout cas leur expérience de ce qu'ils ont su, je pense qu'il y a des cas, je ne sais pas, Louba sans doute un avis là-dessus. Enfin, moi, ce qui m'a frappé, en tout cas par mon expérience des personnes que j'ai pu rencontrer, c'est quand même des cas extrêmement différents selon les milieux, selon les. Parce que. Il y a zec et zec, je dirais. Il faut jamais oublier que il y a une grande majorité de zec qui étaient donc des gens très simples, des milieux populaires, qui avaient été arrêtés pour avoir volé quelques épis de blé dans les kolkhozes. Et
Au fond, il s'entrait dans le camp, il ressortait du camp, et ça faisait partie, je dirais presque, de la vie ordinaire, de la vie courante. Il y avait d'ailleurs, et ça c'est quelque chose de très frappant, il n'y avait pas forcément une différence absolument énorme entre la pauvreté, la misère dans le kolkhoz où on était, et puis la vie du camp. À la limite, on mangeait peut-être parfois pas plus mal dans le camp que dans la campagne. Donc c'est une expérience bon, qui est très différente d'un enfant d'intellectuel, d'un urbain, enfin d'un détenu urbain, enfin le cas de Dimidov ou de ces intellectuels où là évidemment les choses sont tout à fait différentes. Donc je pense que il y a 1000 expériences différentes qui renvoient à l'extraordinaire diversité des gens qui sont passés par le goulag. Évidemment, on pense toujours à ceux qui ont laissé des témoignages, à ceux qui ont écrit, ils sont surtout en majorité quand même des intellectuels, mais au fond, il y a tous les autres qui n'ont jamais rien laissé, aucun autre témoignage, et qui sont l'expérience aussi du goulag. Il ne faut jamais oublier que un adulte soviétique sur 6, au total, pendant la période stalinienne, a connu soit le camp, soit la déportation pendant un certain temps. La plupart en sont revenus. Donc, c'est une expérience extraordinairement répandue, avec, je pense, des expériences et des destins, et surtout un souvenir et une transmission très différente selon, au fond, le destin, la personnalité, le milieu des uns et des autres. Alors aujourd'hui, en ce qui concerne cette mémoire du goulag, bon, on sait qu'il serait faux de dire qu'elle n'existe pas. Il y a eu des moments, enfin un moment, un grand moment où elle est devenue très vive, et lorsque, au fond, on en parlait énormément. C'est le moment de la perestroïka, c'est le début des années 90 où vraiment on ne parlait, je ne dirais pas que de ça, mais c'était quelque chose dont on s'est mis à parler très largement. Des revues comme Aganiok qui tiraient des millions d'exemplaires étaient lues, on s'arrachait tout ça. Bon, ça c'est une époque qui est bien révolue. Dans les manuels aujourd'hui, on parle au fond très peu du goulag, mais en même temps, il n'y a pas de silence absolu, puisque, pour preuve, la création d'un grand musée du goulag, tout à fait officiel, on peut dire, à Moscou. Mais là encore, il y a des enjeux extrêmement complexes, parce qu'au fond, ce musée, à la fois, on crée ce musée à Moscou, on lui donne des grands bâtiments, etc. Et en même temps, on ferme d'autres musées moins officiels qui ont été faits par des associations comme Mémorial ou même, enfin voilà, sur des initiatives locales, parce que le pouvoir a envie de contrôler une grande partie de cette mémoire et de ne pas laisser par exemple à l'ONG Mémorial une sorte de monopole sur le souvenir et la manière dont cette mémoire s'est faite, enfin en tout cas aujourd'hui. Donc il y a une politique extraordinairement, je dirais, habile du pouvoir pour présenter, pour ne pas occulter totalement, mais aussi pour contrôler au fond ce phénomène du goulag, pour le présenter aussi d'une certaine manière que c'était au fond quelque chose qui, après tout, faisait partie de l'histoire de ces temps difficiles mais héroïques où, finalement, il y a eu l'industrialisation à marche forcée, la victoire dans la Grande Guerre patriotique, et au fond, le goulag faisait partie de cette histoire, et les gens au goulag ont permis de, eux aussi, à leur manière, de faire de l'URSS un grand pays qui est allé vers la modernité, même si c'était dans la douleur. Voilà, donc si vous voulez, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant pour qui étudie ces questions sur la transmission de la mémoire des répressions aujourd'hui. Et donc, je pense que le tableau est plutôt dans les gris que dans les noirs et blancs. Enfin, voilà. Donc,
Voilà, parce que je pourrais dire rapidement sur ces quelques questions extrêmement vastes et intéressantes que vous avez posées. Merci. Luba, tu voulais... Oui, mais moi je voudrais que je suis tout à fait d'accord avec Nicolas, mais je pense qu'on peut revenir juste une seconde sur les enfants. Et en fait, merci à Valentina, parce qu'elle nous a ouvert ce thème qui est très important. Donc, sa présence dans cette publication, hein, son rôle dans cette publication est aussi d'attirer l'attention, comme disait Nicolas, sur cette part cachée de la répression. Et en ce sens, alors d'une part, je pense que Demidov a eu beaucoup de chance parce que, par exemple, la fille de Chalamov l'a rejetée. Voilà, pour avoir été éduquée aussi dans une sorte de... En fait, ces enfants de Zec, lorsque leur femme n'avait pas été déportée, lorsque les femmes des déportées ne l'ont pas été à leur tour, elles ont souvent, par peur, éduqué leurs enfants dans une sorte de fidélité au régime, au moins aux apparences. Et donc, voilà, entre Chalamov et sa fille, ça s'est très très mal passé. Elle n'a jamais voulu entendre son récit sur le goulag. Et même sa femme lui avait interdit d'en parler à la fille. Mais je pense aussi, par exemple, au fils de Yuli Margoline, qui retrouve son père en 47, alors que donc son père qui avait été arrêté en 39. Oui, il rentre en 46, donc, et ça se passe en Palestine, c'était pas encore Israël, donc il n'y avait pas de pression idéologique, mais il se souvient qu'il a vu arriver un homme absolument inconnu dont il ne comprenait pas les manières d'être, qui se jetait sur la nourriture, qui avait apporté avec lui cette habitus du goulag, le temps qui se... Voilà, qui, et donc, il a fallu 40 ans pour qu'il puisse se parler. Donc, c'est là aussi un scénario qu'on va retrouver dans d'autres situations. Et en ce qui concerne... Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est une catégorie de victimes qui, théoriquement, ont obtenu des droits, c'est-à-dire... auraient dû récupérer ce qui a été pris aux parents, mais ce n'est absolument pas le cas. Et donc, si on retrouve, c'est pas des communautés, mais il y a des actions communes faites par des enfants qui ont aujourd'hui 70, 80 ans, qui sont parfois restés dans les lieux de la déportation, faute d'argent pour revenir, et faute de logement. Et quand on pense que les appartements octroyés par l'État à l'époque soviétique ont été privatisés, donc sont devenus la propriété des gens qui les habitaient, en fait, ces enfants des victimes des répressions auraient droit à un logement dans les villes d'où leurs parents étaient originaires, mais évidemment... Donc, on peut dire que c'est vraiment une catégorie spoliée de la population. Voilà, et c'est vrai que ce que disait Nicolas, en fait, cette disparité des destins des enfants, enfin, et surtout des catégories sociales, hein, cette absence d'association ou de communauté des enfants de victimes du goulag reflète aussi le fait que les victimes elles-mêmes présentaient une très très grande disparité et que comme c'était des gens arrêtés pour des crimes fictifs, il n'y avait pas de communauté, c'est-à-dire il n'y avait pas de les victimes des répressions n'avait aucune activité politique dans la plupart des cas. Et donc, n'était lié par aucun engagement commun et du coup, n'ont pas formé communauté parce que même ces circulations, cette circulation des taxes dans le service date,
était plus plutôt spontané que dû à des organisations d'anciens détenus. Et voilà, et paradoxalement, en fait, peut-être la seule tentative de créer une association d'anciens de la Colima émanait de Semyon Wilenski, qui a créé la maison d'édition Vozvrachenie et qui a édité Demidov. Tu me lances la Voilà, pierre. mais c'est un cas très rare. Je voulais justement, si tu permets, revenir sur le corpus un peu de Demidov, si tu es d'accord. Parce qu'en fait, ça fait partie des questions qu'on nous a posées. Alors, il y a une question aussi, est-ce que les livres et récits du Goulag sont édités en Russie, où le sujet est toujours sensible? Ben, bon, ils sont édités, en tout cas, on peut les trouver dans les librairies Il y en a beaucoup qui sont de disponibles Moscou, des grandes en ligne. villes et de province aussi. Même certains gros éditeurs publient des classiques, entre guillemets, du Goulag. Bon, Chalamov est largement diffusé, ça c'est clair. Mais justement, le corpus d'œuvres de Demidov a été édité une première fois donc, sous forme de 3 volumes de récits et de nouvelles, plus une première partie en fait, d'un roman autobiographique qui est resté inachevé. Donc où Demidov parle dans la première partie de ce qui précède son arrestation. Et c'est Valentina, sa fille, qui est dépositaire de son œuvre, qui continue à déchiffrer aujourd'hui certaines pages qui sont vraiment des esquisses, et actuellement se prépare une deuxième édition, puisque ses œuvres ont été éditées dans les années 2000 une première fois. Et une nouvelle édition qui se prépare justement sous l'égide du musée du Goulag dont nous parlait Nicolas, qui a récupéré une partie des archives de cette maison d'édition de Vilensky suite au décès de l'éditeur. Et du coup, je voulais présenter, parce que ça fait partie des questions qu'on a eues, à savoir quels sont justement les prochains titres à paraître chez les CIRT. Donc, à l'heure actuelle, les éditions des CIRT ont prévu de publier l'intégrale de ces récits du Goulag, qui constituent donc 3 volumes. Le choix des œuvres dans ce premier volume a été guidé par, je dirais, un aléa historique qui fait que, suite à l'apparition du récit d'Oubar dans Aganioc au tout début des années 90, en 91, je pense 91, les éditions Hachette, qui avaient une représentante en Russie et qui suivaient ces questions-là, ont contacté Valentina Demidova pour lui demander un certain nombre de récits pour les publier en français. Et donc le premier recueil véritable des œuvres de Demidov a été publié en France dans une joint venture qui, à mon avis, était éphémère. Des éditions Hachette et des éditions du Progrès, qui était une sorte de maison d'édition soviétique qui a fait un peu, voilà, qui a survécu au bouleversement mais pas très longtemps, et qui de fait donc s'intitulait Doubar, et pour lequel le choix des récits a été fait par la maison d'édition, alors qu'en fait les archives de Demidov venaient juste d'être récupérées par sa fille et étaient encore bon, inexplorées. Et c'est ce volume, augmenté d'une préface qu'a fait Luba Jorgensen, qui est paru récemment aux éditions des CIRT. Alors, depuis l'apparition de ce volume dans les années 90, donc il y a eu un travail qui a été réalisé par les éditions Vozvrachenie et par la fille de Demidov sur donc ces récits, qui ont été composés pour partie suivant un plan qui, bon, apparemment, était celui de l'auteur, en 3 volumes qui ne correspondent pas donc exactement au découpage qui sera utilisé par les CIRT, mais de fait il y a deux autres volumes qui vont paraître, qui vont être composés de courts récits et de encore deux, enfin ce ne sont pas des romans, mais enfin ce sont des, comment dire, on dit comment en français, enfin des longs récits qui étaient regroupés à l'origine sur par trois dans le troisième volume des œuvres de Demidov. Et par ailleurs, alors ça, c'est pas encore prévu en français, mais il y a ce roman autobiographique, donc De l'aube au crépuscule,
qui, pour une première partie, concerne la vie de Demidov avant l'arrestation et qui parle notamment de la famine en Ukraine. Donc, il a des souvenirs quand il était enfant, un certain nombre de souvenirs. Et ensuite, donc, le deuxième volume qui sera sans doute publié sous forme de fragments prochainement. Alors, quand est-ce qu'il sera publié un jour en français, je ne sais pas. Mais bon, voilà pour un peu pour le projet éditorial des Sirtes lié à Demidov et le corpus. Donc, je ne sais pas, pour finir, Louba, est-ce que tu peux nous parler un peu de Chalamov, de sa relation à Demidov et puis de cette un peu histoire difficile hein, parce que c'est une histoire longue et compliquée. Je vais essayer de la résumer. Donc, j'ai déjà dit que Chalamov considérait Demidov vraiment comme l'homme peut-être le plus honnête et le plus intelligent qu'il ait rencontré dans sa vie. Et il a cru jusqu'en 65 que Demidov était mort. Bon, ce qui était, enfin, Nicolas a bien expliqué comment ça pouvait se. Voilà, il l'a bien expliqué. Et en fait, en 65, par hasard, enfin, mais un hasard dû justement à la circulation des manuscrits, les deux hommes se rencontrent. Alors, Demidov était encore, enfin, était dans le Nord, donc ils se rencontrent d'abord par correspondance. En fait, Chalamov apprend que Demidov est vivant. Et donc, ils commencent à échanger, ils prévoient une rencontre et Demidov envoie à Chalamov quelques récits. À la suite de quoi, Chalamov lui donne des conseils. Bon, je résume hein, parce que c'est une correspondance qui s'étend quand même sur un certain temps. Il y a des hauts et des bas, c'est-à-dire la rupture n'intervient pas tout de suite. Hein. Ils se comprennent puis ils ne se comprennent pas, mais globalement, enfin, Chalamov qui est alors très très engagé déjà dans sa propre œuvre et surtout dans la création d'une nouvelle prose, enfin de ce qu'il conçoit comme une nouvelle prose, c'est-à-dire une prose qui doit être comme un document. Je vais très vite là. Conseil à Demidov de couper tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, des sentiments et de ne garder que les faits, ce que lui-même d'ailleurs ne fait pas parce que dans le récit, alors il y a quelque chose de très très intéressant, c'est-à-dire il y a un épisode sur lequel Chalamov et Demidov donnent des éclairages complètement différents. Donc, j'en parle dans ma préface, mais c'est peut-être pas bien de. Je laisse le lecteur découvrir cet épisode. Mais voilà, c'est vraiment. Or, ce qui est très très intéressant, c'est que cet épisode-là, Chalamov, enfin, cet épisode-là, c'est cet épisode-là qui va entrer dans les biographies classiques, enfin, dans les biographies de Demidov qu'on trouve justement sur le site Sakharov, c'est-à-dire l'épisode. Inventé, fictionnel, enfin, que je pense tel, hein, je peux me tromper, mais bon, je pense que c'est plutôt Demidov qui raconte, voilà, qui est plus proche de la vérité de sa propre vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Chalamov invente ça alors qu'il connaît déjà voilà, l'épisode en question. C'est-à-dire que je pense qu'il l'écrit tout de suite après avoir lu Demidov. C'est-à-dire qu'il fait de Demidov un personnage mythique. Et d'ailleurs, le récit qu'il lui consacre, qui s'intitule La vie de l'ingénieur Kipreyev, est un récit. Alors en russe, il y a deux mots il y a un mot spécial pour décrire une vie de saint, pour une hagiographie. On emploie le mot jetillé, tandis que pour la vie, la biographie, c'est jizné. Et donc, c'est bien le mot jetillé. C'est-à-dire qu'il écrit une hagiographie de Demidov alors qu'il a déjà rencontré le vrai Demidov. Bon, il n'y a pas de traces dans leur correspondance connue sur précisément cet épisode-là, mais toujours est-il que Demidov n'entendait peut-être pas entrer dans l'œuvre de Chalamov comme voilà, de devenir un personnage de Chalamov. Et Kipreyev, donc le nom que lui donne Chalamov, renvoie. En russe, au mot Kipré, l'épilobe, qui est aussi, et le Kipré, c'est le titre d'un recueil de poèmes de Chalamov. Donc on voit bien qu'il l'intègre à son œuvre. Donc je pense que
C'était ça, en fait. Bon, et il faut peut-être aussi voir un peu le contexte historique, c'est-à-dire à l'époque, donc en 64, Chalamov reçoit le énième refus des éditions officielles de publier ses récits. Il est extrêmement fragilisé par sa longue, ce long parcours de combattant qui n'aboutira pas, hein, puisqu'il ne sera jamais publié vraiment en Union soviétique. L'année 65, l'année 66, où finalement la relation entre les deux hommes se brise, c'est l'année aussi du procès de Sinявski, c'est-à-dire Sinявski et Daniel, deux écrivains qui vont être arrêtés puis incarcérés, envoyés en camp pour avoir publié à l'étranger. Donc, de nouveau, il y a des répressions contre les écrivains, alors que Demidov, lui, ne cherche pas à publier finalement, spécialement dans l'espace soviétique. Donc, il n'est pas exposé de la même manière à ce retour de la répression. Et c'est en 1966 que Chalamov enverra ses textes finalement à l'étranger, donc en désespoir de cause. Donc, leur rencontre se passe aussi sur un fond. Dans un contexte particulièrement tendu et difficile pour les écrivains. Donc, je pense il faut aussi prendre ça en compte. Ben, merci beaucoup, Luba. Oui, c'est une histoire très riche, en fait. Oui, Et on sent cette amitié, cette rencontre avec Chalamov, complètement improbable, finalement, dans l'immensité quand même de toute cette système concentrationnaire, cette rencontre littéraire, la part de vérité, la part de création. Le récit de Valentina, qui lui aussi est emprunt. D'ailleurs, Valentina a choisi la version de De Chalamov. choses, voilà, de choses qui sont rapportées et de choses qui lui sont propres et qui font que, voilà, on est dans une histoire qui est humainement très riche et dont on peut percevoir la richesse justement en lisant Chalamov, Demidov et d'autres aussi récits, notamment un ensemble important de textes que vous aviez publiés avec Nicolas dans une anthologie de récits, enfin de textes, de témoignages du Goulag il y a quelques années. Alors l'éditeur c'est Robert, c'est Lafon, hein? La fond. Pardon, je suis désolé, je Pas voulais pas grave. faire de bêtises. Donc voilà, j'invite tous ceux qui nous regardent et qui j'espère ont apprécié cette rencontre à peut-être reprendre un volume de Chalamov. De découvrir Dubar et autres récits du Goulag en attendant les volumes suivants. Merci infiniment à Nicolas Verte Merci à François. pour son expertise et sa clarté. C'est toujours un plaisir de l'entendre. Merci à Luba, à sa sensibilité et aussi sa connaissance encyclopédique de tous ces récits. Si multiples. Merci à tous et à très bientôt pour une autre rencontre de livres liés à ces thématiques ou publiés aux éditions des CIRT. Merci. Merci Merci beaucoup. Et merci pour ce magnifique témoignage traduit. Voilà, c'est très émouvant. Merci. Je vais m'atteler à la version longue dès que possible parce que, enfin, je ne vous cache pas que toutes ces heures passées à discuter avec Valentina sont enfin, voilà, passionnantes et une mine d'informations et d'émotions que j'ai hâte de partager plus avec vous et surtout aussi avec tout le public qui nous a suivis ce soir. Voilà, merci beaucoup. Merci.